Et du coup, faites quoi à part les cours du théâtre? Les cours de stand-up plutôt? Bah, moi je fais de la vidéo. Mmh. Et vidéo d'entreprise, quoi. Hey. Ouais. Ça se passe bien? T'aimes bien? Non. Ah, ok. Oui, mais bah, de toute façon, on l'a senti. Hein, oui. Et ça fait du blé, quoi. Mmh. Oui, bah, oui. Des sous. Ça, l'intérêt. Et ça me laisse du temps. Ouais, c'est cool, ça. Du coup, t'es en freelance? Je suis en OSM freelancer. Ouais. Auto-entrepreneur. Ah, mais c'est cool. Ok. Je dis pas que je ferai ça toute ma vie, quoi. Mais c'est cool. Non, mais pour l'instant. Moi, je bosse à côté aussi, j'ai un taf alimentaire. Je suis secrétaire médicale. Ah ouais? Oui, mais bon, bah voilà, je suis bien payée et puis je le fais pour ça, hein, clairement. C'est-à-dire que t'es vraiment une secrétaire derrière un bureau? Ouais. Quand je rentre dans l'hôpital, je te vois toi en premier. Alors non, je suis... Ah ouais? Ouais, voilà. C'est ça, exactement. Il y a une nuance. À ce moment-là, t'es pas bien payé. T'es pas super bien payé. Okay, non, mais moi, je suis un auto-entrepreneur, en fait, parce qu'elle a pas voulu m'embaucher pour éviter de... Oh. Ouais. Ah ouais, ça me ferait peur d'avoir une secrétaire médicale auto-entrepreneur. Non, mais surtout, j'ai aucune formation médicale. Moi, je fais l'école de commerce. Enfin, rien à voir, quoi. D'accord. À toi de nous dire. Moi, c'est encore moins fantastique. Hein. Ouais. Compta dans une banque. Ah ouais, compta. Ouais, on dirait pas. Waouh. Compta. Comptable, c'est comptable, quoi. Non, c'est compta. Une nuance. Je suis pas dans je suis pas comptable. Je me suis retrouvé par là, par hasard. C'est banal. Ah, c'est banal, comme non, dit. Non, après... Vous êtes content de ce que vous faites, enfin, de votre métier? Est-ce que vous êtes heureux de, ah, moi, je suis, de ce que vous faites? Très, très heureuse. Ouais. J'ai choisi ce métier il y a 4 ans et je regrette absolument pas. C'est pas forcément le métier le plus facile, mais... Mais en fait, je me suis jamais sentie aussi bien sur scène que dans la vie, quoi. Donc, il y a un moment... C'est un peu bateau de dire ça, mais en fait, c'est vrai. Non, mais moi, ma question, c'était genre le métier. Ton métier. Secrétaire. T'es contente de ton métier? Bah, c'est ça. Je t'as dit sur scène. Ouais. Parce que les deux sont liés. Ah oui, pardon, mais moi le métier, d'accord, non, c'est pas mon métier, c'est mon taf alimentaire. D'accord. Okay. Donc écoute, globalement... Mais ça te fait quand même gagner plus d'argent que le théâtre. Évidemment, en fait, ouais. J'en suis contente parce que je suis rémunérée, heureusement, de son, mais évidemment, mais je le fais que pour pouvoir faire du théâtre, tu vois. Ok, ok. Je veux dire, je n'y reste que pour ça. D'accord. Parce que c'est bien payé. Et non, globalement, ça me fait chier. Enfin, je veux dire, je m'ennuie. Ok, ouais. Voilà, oui. Et ouais, c'est une grosse question, ça. Ouais. Est-ce que c'est un boulot pour manger ou est-ce que c'est un boulot pour s'amuser? C'est un boulot pour manger. Bon, après, ouais. Si on est connu dans le stand-up, là, ce sera, on cumulera les deux. Ah oui, là, c'est cool. Mais la route, elle est longue. Ah oui. Elle est un petit peu longue, quand même. Ah bah, ça... Mais ouais, c'est pareil, hein, c'est pas le kiff. Genre quand j'étais petit, le petit garçon qui sommeillait en moi, il rêvait pas d'être derrière une machine. Mais calculatrice, un ordinateur. Ah oui, d'accord. Mais quand je vois comment ça se passe maintenant autour de nous, moi je me plains pas. Quand tu vois la misère qu'il y a, parce que maintenant les SDF, ils ont l'autre âge, c'est plus les vieux qu'on avait avant. C'est notre génération. Ça va, je suis tranquille. Mais vous voulez faire... c'est quoi l'objectif pour vous, l'école? Vous voulez faire un sketch à la fin, un spectacle à la fin? Ou c'est juste pour le plaisir? Ou c'est un truc qui... Ah non, moi, c'est... J'ai fait du théâtre avant. Ouais. J'ai fait 3 ans de formation. Et en fait, au théâtre, enfin, à l'école en tout cas, je me suis rendu compte que... Enfin, de toute façon, je le savais, que j'étais beaucoup plus à l'aise dans quelque chose de... Enfin, j'aime bien faire des blagues, en tous les cas. J'aime bien, en fait, c'est pas j'aime bien faire des blagues, c'est j'aime bien quand les gens rient. Ouais. Parce que je me sens drôle et du coup, je me sens exister un peu. Et ça fait ça depuis... Enfin, tu vois, dans ma famille, on m'appelle le bouffon. Mais je le prends bien, parce que pour moi, c'est un compliment, quoi, tu vois. Et dans mes amis aussi, dans mes groupes de potes, c'est toujours pareil. Je suis... celle qui fait rire, mais pas forcément en le faisant exprès, tu vois, c'est un peu à mon insu. Et du coup, quand j'ai commencé le théâtre, j'étais beaucoup plus à l'aise sur les rôles comiques et je m'amusais beaucoup plus. Ouais. Et je me suis dit, on me l'a dit aussi, mais je me suis dit que j'aimerais bien tester justement le seul en scène
Et le one-man show, en fait, l'humour, quoi. L'humour seul en scène. Et voilà, donc c'est moi, l'objectif, c'est de faire plusieurs scènes ouvertes, ouais. Un peu comme toi, du coup, j'imagine. Oui. Et à l'issue de ça, oui, et bah, évidemment, j'aimerais bien avoir un spectacle et en vivre, quoi. Ouais, moi aussi, hein, c'est un peu l'objectif. Ouais. Je me laisse 3 ans. Si dans 3 ans, il n'y a rien, c'est ciao, ah ouais. C'est terminé. Ah ouais. Ouais. À 35 ans. Oui. Ah oui, t'as 32. Ouais. Ok. Ouais. Moi, je pense que c'est presque pareil. Hein? Toi aussi? Moi, c'est presque pareil. Ouais. Moi, c'était un challenge. Ok. Et quand j'étais petit, c'était galère. Je venais du bled, du coup, Cameroun. Et les gens, ils n'avaient pas les mêmes côtes que les autres. Et du coup, les gens, ils étaient vachement durs avec moi. Je ne comprenais pas qu'il fasse froid. Ne serait-ce que qu'il fasse froid, je venais, j'avais un pull et je pouvais mettre un pull avec un short. Et les gens, ils comprenaient pas, et moi non plus, je comprenais pas pourquoi les gens ils se marraient. Et jusqu'au jour où un pote, il me fait « Mec, choisis ton camp. T'es en hiver ou t'es en été ?» J'ai dit « Ok, bon. » De cette phrase-là, j'ai dit « Ouais, je vais pas oublier. » J'ai commencé à comprendre un petit peu les codes, les alliages. J'ai toujours pas trop de place, et grâce à l'humour et à l'interprétation que je faisais sur les gens, sur l'émotion, etc., j'ai réussi à me faire une petite place, me faire accepter un petit peu du groupe, et au fur et à mesure, ce que j'avais raconté, j'ai fini à Bali, grâce à ma bouche. Et donc, quand je suis revenu de Bali, du coup, vu que je créais la différence, parce que je faisais des blagues, parce que je me faisais remarquer pour faire passer outre mon style vestimentaire, etc., je me suis tellement fait chambrer qu'à la fin, au quartier, c'était moi, genre, je terminais tout le monde. Tu venais en frontal avec moi, en discussion directe. J'étais violent. Tu m'as attaqué aujourd'hui, du coup j'avais mon petit fan club et j'ai terminé tout le monde. Okay. Et derrière ça, quand j'ai commencé à je suis sorti avec une française du coup. J'ai appris à faire du ski, etc. Je me suis intégré. et de là, grâce à cette capacité-là, j'ai réussi à m'adapter à différents niveaux. Jusqu'au moment où il y a un pote à moi d'enfance qui a eu son plan à Bali et qui a dit « Putain, il me faut ce mec-là pour me faire remplir ma clientèle française. » Du coup, j'atterris à Bali comme ça. Ah ouais. Et quand je suis revenu, je me suis dit « Bon ben... » Vu que Bali, tout le monde se sert de ses capacités, je vais essayer de voir ce qu'il y a au bout, parce qu'à chaque fois, mes potes ils me disaient « Inscris-toi. » Et là, je dis « Bon, ben, je vais tenter. » Okay. Du coup, je me retrouve là. C'est juste comme genre la boucle est bouclée, quoi. Mais c'est plus la même situation d'alerte, parce qu'avant, ça me permettait limite de manger. Ah ouais. Et là, c'est que le fun. Ok, d'accord. Okay. Ouais. Du coup, ouais, la finalité, c'est si j'arrive à aller au bout du truc, égoïstement, j'aimerais amener un truc où je représente toute cette histoire-là. Je représente mes amis, ma famille, ces galères qu'on a vécues. Mais si ça n'amène pas à grand-chose, je serais quand même satisfait d'avoir essayé de marquer mon histoire ou de fermer une boucle. C'est tout. Ok. Yes. Ok. Ça vous dit, on fait un truc, on essaie de se caler des dates dans des comédie-clubs. Ouais. Et vraiment? Ouais, non, ça veut dire vraiment. Ouais, vraiment. Ouais, et on y va, tac, tous les trois, tac, on se fait des feedbacks, il y en a, ils filment. Mais on va pas. Moi, je vais pas là jouer comme toi d'entrée. Là. Parce que toi, t'es déjà rodé, donc je vais prendre plus de temps. Il faut qu'on se fixe une date. Prends pas de temps, fais-toi un bon beat. Tu vas bien là, un bon creux là, avec le tonnerre. Ouais, mais là, justement, faut l'écrire d'abord, faut le préparer. Donc t'as écrit? Ouais, mais je vais pas sortir ça. Ça, il y a personne qui est venu me voir. Qu'est-ce qu'il veut? Moi, je vous jure que si vous avez une date et qu'on s'est fait croix de fer, si je mange, je vais en enfer, avec le sang et tout, ouais. Eh ben, tu vas voir, tu vas l'écrire ton truc. Tu vois, le bide, c'est pas grave en fait. C'est horrible, je pense que c'est un moment de souffrance, mais horrible. Mais justement, il faut y retourner après ça, quoi. En vrai, je pense qu'il n'y a pas de bide. Vraiment, il n'y a aucun bide. Si tu te dis c'est pas grave le bide, il n'y a pas de bide. Oui, oui. Tu n'arriveras même pas à l'avoir le bide, je pense. Bonjour. Le double. Je suis en premier. Ouais, numéro 1. Il n'y a pas de place sur le 9. Non, le 9. Ok. Ah oh, mais tant pis, c'est ça le jeu. Merci. Là c'est comment là? Bon, ça va, c'est comment? C'est bon? Validé? Ok, ça va. Salut, ça va? Yo.
Oh, Gab. Merci d'être venu. Ok. Ouais, prends plaisir. Bon, c'est à toi. Bon courage, mon gars. Comment tu vas? Antoine. Ah oui, je suis con. Océane, ma chérie. Désolé. Comment tu te sens? Ouais, ça va, mais je suis premier. Ah ouais. Comment ça se fait? Bah, il y avait déjà tout le monde sur la liste. Et t'es le dernier, du coup, t'as pris. Bah ouais, c'est ça. Franchement, je sais pas ce que ça va donner. C'est là, on va voir. La vie d'artiste. Voilà. Bon courage à toi. Hein. On est là, on a la force. Je vais faire un message pour le groupe. Là. On a des petites photos de toi. Waouh, wow, merci, quel accueil. J'ai jamais vu ça un mardi, quoi. C'est incroyable. Genre, le mardi, c'est le nouveau vendredi. Cool, ça me fait plaisir. Waouh, il y a que des gens que je connais pas pour une fois ici. Ça fait trop plaisir. Bonsoir et bienvenue à tous à cet open mic du Comédie Pigalle. Qui a déjà vu du stand-up par applaudissement? D'accord, ok, donc c'est mitigé, moitié-moitié, très bien. Donc c'est un open mic, messieurs, dames, auquel vous allez assister. Donc des humoristes vont se succéder, on est une dizaine aujourd'hui, voilà. On a 5 minutes chacun pour vous faire rire. Et celui qui ne vous fait pas rire est condamné à mort. Voilà, c'est le principe du stand-up. Voilà, donc moi je vais mourir. Ok. Mais la chauffe ça compte pas, hein. C'est que pendant le sketch, heureusement. Est-ce que vous êtes prêts à passer un bon moment? Ouais. Ok, donc je peux envoyer le premier? Ouais. Vous êtes sûr? Ouais. Et comment on l'accueille? Montrez-moi comment on accueille le premier. Il s'appelle le double. Allez. Hey, bonsoir, bonsoir. Ça va? Vous allez bien? Ouais. Ouais. J'adore l'avion, j'adore l'avion. L'aventure commence quand tu rentres dans l'avion et que tu découvres ta place, et que ta place, c'est la pire place de l'avion. Celle que personne ne veut. En face des toilettes, côté couloir, avec à ta gauche un enfant qui a déjà fait une cabane avec ta couverture. Et puis après, tu te mets à chercher une autre place, mieux, et tu découvres la place parfaite, côté hublot, 3 sièges de disponibles. Et tu t'assois et tu pries. C'est pas drôle ce que je dis en fait. Excusez-moi, je vais être honnête avec vous ce soir, je sais pas pourquoi je fais du stand-up. Y a rien qui me fait rire. Même moi, je me fais pas rire devant le miroir. Vraiment. Donc vraiment, avec moi, allez-y, détendez-vous, tirez la gueule. De toute façon, j'ai écrit 3 sketchs dans ma vie, ils sont pourris. Voilà. Le premier que j'ai écrit, c'est sur l'avion, celui que je vous ai fait tout à l'heure. J'ai travaillé un mois dessus. J'ai cru que j'allais révolutionner le stand-up français. À mes potes, je leur disais, non, mais moi c'est bon, hein. Je trouve un producteur, et puis après vous me voyez plus. Bah si, ils me voient toujours, les mecs. Je suis toujours au même endroit. Et voilà, je suis toujours au même endroit, et le gars, donc je reprends un peu d'énergie, j'envoie mon sketch à mon meilleur pote, et je lui dis, je pensais qu'il allait se taper une grosse barre de rire devant son téléphone, tu vois. Et là, il m'envoie, pas ouf. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai fait clic droit, supprimer, vider la corbeille. Il y en a, ils avancent dans leur vie, moi je recule à fond comme ça. Non, vraiment, vraiment. Et je me dis, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a bien un moyen de faire rire les gens quand même. Il y a bien des techniques. Il me dit, ouais, mais toi t'es une boule de nerfs, il faut se détendre, il faut dire des trucs plus légers. Et les gens ils sont là pour se détendre. Et du coup j'ai écrit un truc plus léger, beaucoup plus léger. Je suis allé me ridiculiser dans un comedy club. J'ai raconté la dernière fois où je me suis chié dessus. Je vais pas vous la faire l'histoire, mais je demandais à ma copine de tirer sur mon doigt, et au moment où elle tirait, je devais péter. Sauf que ça a pas fait prout, ça a fait pfff, et que j'avais du caca partout dans le pantalon. Enfin, tu vois, l'histoire, elle est pas ouf, tu vois. Et moi, ce qui me gêne le plus, c'est pas d'avoir pris un bide, comme là devant vous ce soir. C'est de raconter ma vie privée à des inconnus. Ils n'ont pas à savoir ça, les gens. Alors, du coup, ben, je suis là, je suis comme ça, je me pose des questions. Et donc voilà, là, je sais plus trop où j'en suis dans mon sketch. Tu vois, c'est un peu la pression, mais bon. Voilà, je lui ai dit, vas-y, je cherchais ma copine. Et puis, qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi. Bon, on va revenir au truc. Vous pouvez m'applaudir un petit coup, là? Mais c'est la fin, c'est le time, c'est le time.
Donc je vais vous laisser là-dessus. J'avais encore plein de trucs écrits, mais là, j'avoue, j'ai perdu un peu mon sang-froid. C'est pas grave. Je laisse le prochain. La grande Geneviève. La grande Geneviève. Faites du bruit. Salut tout le monde. Bonsoir. C'est pire qu'à l'hospice. Alors je parle de l'hospice parce qu'il n'y a pas très longtemps, je travaille un petit peu voilà, en ce moment dans des maisons de retraite. Et puis il y a une mamie qui m'a dit qu'elle envisageait d'aller traiter dans une mosquée pour gagner un peu en follower. Ça va, l'hospice, il n'y a pas beaucoup d'amis, hein, donc comme on peut. Je ne sais pas moi ce qui se passe en ce moment en France, il n'y a plus rien qui va. Alors bon, vous, apparemment, vous allez bien, parce que pendant qu'il y a des gens qui se font bardés la gueule, vous buvez des verres. Tout va bien. Hein. Alors, cette mamie en question, elle habite dans un petit village qui s'appelle Sarcelles. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah, ça va, c'est cool, hein. Ah, c'est bon, arrête. Ça va, ça va. Pourquoi? Non, c'était horrible. Moi, j'ai passé un bon moment, c'est une belle expérience. Ouais, ouais, non, mais après, j'ai vu que tu t'es pris la tête. J'ai tout perdu, franchement, j'ai perdu tout mon texte. La première fois, j'arrivais plus à reprendre le truc. Mais je pense que c'est la meilleure leçon. En vrai, bah, c'est pas si grave. Moi, c'est fait, quoi. C'est ce dont on parlait la dernière fois, le conseil. Ouais. Vous m'avez filé ouais, pour ouais. Bide ou... Bah ouais, là, faut savoir son texte. Ouais, exactement, mais... Ouais, même, t'es pas tout seul. Il y a que toi qui l'a joué en te faisant confiance. Les autres, tellement seul, mec. Mais non, mais parce que toi, t'as parlé. Wow. Eux, ils ont fait quoi? Franchement, ça revient tout à ton honneur. Eux, ils avaient un petit bout de papier. Ouais, à un moment donné, ils avaient des moments de phase, ils ont regardé. Ouais. Et... Non, mais j'étais là, après, je me suis justifié. J'ai dit, le pire, c'est que j'ai dit, non, mais en plus, j'ai pas dit tout mon texte. Enfin, cool. Mais bon, merci d'être venu. Mais tu sais que même quoi qu'elle arrive. Je suis désolé de pas avoir fait tout ce que je voulais faire. J'avais plein de trucs à dire. Je me suis répété et tout. Je te jure, la prochaine fois, je ferai carré. Mais non, mais là, moi, je t'invite et je te fais un truc. J'ai envie de me cacher, là. Mais t'es malade, quoi. Mais tu sais que moi, j'ai kiffé. J'ai appris, hein. Ouais. J'ai appris, ça m'a permis même moi de voir que tout le monde est humain et de redescendre sur la pression et même pareil. J'étais trop chaud, en plus j'étais déterminé, ouais. Je te jure, j'étais là, je me suis dit je vais trop faire gueulerie et tout, j'étais trop content. Ouais, mais là c'est le jeu et d'artiste. Là t'es un artiste. Le trou à plusieurs reprises. Enfin, voilà, c'est tout. Là c'est la vraie vie d'artiste, mon gars. C'est ce que les gens vont pas voir demain et là c'est tu te formes. Hein. Non, mais voilà. Non, mais voilà, non. Voilà, c'est allez, fait. On va faire une petite bière et ça va aller mieux. Okay. Ah, c'est bon, t'inquiète. Ça va. C'est bon, t'inquiète. Y'a rien. Bon, franchement, y'a rien, c'est cool. Oh. C'est cool. On va où? Là ou autre part? Tu veux couper là-bas, ouais, on peut aller là-bas. Okay. Ok. Bon, allez, on y va, on y va. Ok. Mais je te jure que vraiment, je te monte le moulon. Je te mets le moulon tout seul. Non, mais c'est horrible ce que j'ai fait. C'est horrible. C'est cool. Franchement, mec, toi, je te regarde, t'as vraiment une bonne gueule. Ouais, non. Ouais, il me regardait comme ça. Moi, je suis capté. J'ai bien aimé. Il va venir bientôt. Il va venir bientôt. Attends, il faut du temps. Reste tranquille. J'ai kiffé déjà voir comment ça se passait. C'était cool. C'est cool. Au plaisir de ouf. À bientôt, peut-être. Salut, les gars. Ciao, les gars. Merci. Bravo. C'était bien ton passage. Merci.